Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans Let's Play du pot. Nous en étions dans Dead Space 2 la dernière fois. Dead Space 2, Dead Space 2. Petite synchro son, 1, 2, clic. Et 1, 2, back. Et voilà, voilà. On s'était fait attaquer dans une sorte de temple occulte par des tas de petites choses qui avaient une IA, un peu de chasse. C'était quand même, c'était sympa, c'était pas mal. Jusqu'à arriver dans une crypte. Bah oui, évidemment, hein. On a toujours passé dans une crypte. Allons-y. C'était l'entrée de la crypte, très mal isolée, voilà. On est tourné au niveau, ça fait quand même un petit temps que j'ai pas joué. On a un truc de soin et des munis, ouais, que des munis. C'est le plus important, je crois. Hop, voilà, un petit peu de soin, come on. Gauche, droite. Nous sommes dans l'entrée de Mr. Freeze. L'entrée. Il n'y a de rien à voir dans le coin. C'est bien. J'adore cette arme. Non, on peut rien faire avec. C'est parfait ça? Ouais, voilà. Et des lames, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Entrons dans l'horreur de la crypte. C'est des jumpscares à deux balles. Isaac, prends tes Xanax, tu pètes un câble. Oh là là, putain, ça commence bien quoi. Allez, donne-moi ça. Merci. Ce jeu aura ma peau, hein, je vous avoue. Bon, par contre, je suis désolé, le commentaire sera peut-être un peu naze cette fois-ci, mais je sors d'un très long week-end, 20 heures de boue, 20 heures de travail, très peu de dodo. C'est peut-être comme moi, des petits bruits un peu à gauche, à droite, comme si quelque chose marchait sur de la glace. Par contre, voilà, ça y a un problème quoi. Il donne des munitions toutes les 2 secondes, c'est qu'il y a une couille. Clairement, pour le découpeur directement. Alors, une des choses est sortie d'un des conteneurs. Oh, saloperie, putain, merde encore. Ça veut dire quoi? Que chaque petit conteneur serait un problème, c'est ça? Oh non, 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 s'il vous plaît, quoi. On se dirait, vous voyez, ouais, genre dans un centre de Resident Evil comme ça, vous voyez. Saloperie, quoi. Allez. Ok. Non, ce sera plus à voir, hein, c'est bon. Droite, gauche, droite. Voilà, télékinésie. Non, non, nine. Non, ça passe. Oh, mais c'est une embuscade. Ok, un runner. Ah. J'ai Scavin qui joue à Warframe, juste en bas à droite. Avançons. Non, non, non. Meurs. Ouais, donc là vraiment le danger peut venir de partout, hein. C'est... Mais voilà, mais bien sûr, hein. Allez. Chut. Retiens de dire bonjour à ta mère en enfer. Bon, on va souvent faire cette espèce de petite salle à deux balles là, parce que... Elle avait un peu rapatatef, hein, à vrai dire. Un complexe. Un autre complexe. C'est une mission. Ah bah on va la faire chercher.
quoi. J'ai localisé la sortie, mais c'est au-dessus de moi. Les commandes de gravité sont verrouillées. Ah. Dana, j'ai besoin d'aide, Dana. Sale. Non, j'arrive pas le mot. La pompe à stase, oui, bon. Est-ce que je peux monter, là? Ah non, je peux descendre, bah oui, évidemment. Une centrifugeuse, c'est trop stylé. Non, oui, oui. Oui, il faut monter. Merci. Ouais, et ça fait quoi? Bon, en tout cas, il y a un truc à faire avec la stase, hein, ça se voit directement. Ah, un schéma, c'est gentil, la pompe à stase, voilà. Un point de force. Rien à foutre. Je suis bricoleur. Voilà. Trop de skill. Et on arrache la moitié des fils. Mais en fait, ça voudrait dire que finalement, ils cultivaient ces choses, vu qu'il y en a qui étaient directement implantés à un certain endroit. C'est quoi, c'est 1035G, gravité artificielle connectée. Et donc, ce que je peux faire là, je peux. Voilà. Et faire quoi après? Je peux tirer dedans? Non, hein. J'ai aucune idée de ce que je dois faire, mais absolument aucune. Je peux plus remonter en plus. Non, je peux plus remonter, je suis en bas, voilà. Donc il y a un truc à faire avec ça, ouais, on est bien d'accord, mais. Mais quoi? De quelle manière? Comment? Peut-être ralentir et là utiliser? Ralentir l'ordinateur, on sait jamais. Windows 10. Peut-être que si je. Voilà. Je lance là-dedans, peut-être. Non, à part dégommer la machine, je vais rien faire de spécial. Ah mais voilà, voilà, faire tirer ça, c'est bah voilà, il faut le faire de l'autre côté aussi, voilà, comme ça, voilà, bah c'était simple comme tout évidemment. Maintenant quoi, réfléchir, c'est connecté, ouais. Ah voilà, faire, ouais ouais, avec ça. Voilà, maintenant est-ce que tout est parfaitement mis? Je comprends rien du tout. Bon, la pompe à stase déjà, voilà, on va calmer, on va reprendre. On va prendre des secondes supplémentaires. Putain, mais je vois rien de ce que je dois faire, je comprends rien. À part qu'il fait noir, je vois vraiment rien. Ah non, ouais, voilà. Faire les deux en même temps là. Voilà, celui-là. Et celui-là. Et voilà, là ce sera stabilisé. Putain, mais je. What the hell? Rien du tout. Mon Dieu, peut-être que. Voilà. Ah voilà. Voilà, voilà. C'est bon, enfin. Ouais, en fait c'était plus ou moins simple, hein. Il fallait utiliser absolument toutes les espèces de petites superficies qu'il y avait au-dessus, utiliser la télékinésie pour ralentir en fait tout cela. C'est bon, voilà, fallait le savoir quoi, hein. Voilà. On calme les hélices. Et voilà, tout est parfait. Oui, oui, allez, on monte, c'est parti. Aïe, mais laisse-moi passer. Voilà. Je suis un astronaute, c'est bon. Nouvelle vocation. Kit de soins moyen, c'est gentil, merci. Est-ce que je peux. Voilà.
cortisone sans gravité. Voilà, on remet. Isaac. Hey, c'est vrai. Saloperie. Ils servent d'un appareil mobile pour brouiller le signal. Ça me fait pas. Que quelqu'un me trouve la fréquence de cette saleté. Ils ont sûrement un hélico pas loin de l'enclos. Alors, on fait quoi? Bon. Alors, je fais quoi? S'ils savaient où on se cache, on serait déjà mort. Oh, merde! On perd le... On a perdu la connexion, c'est clair. Enfin, la 4G dans l'espace, c'est de la merde, faut dire. Enfin, j'en sais rien, moi je vous avoue, j'ai pas de 4G. Merci, ah, tous les petits schémas, c'est cool. Qu'est-ce que je peux acheter? Mais franchement, qu'est-ce que je peux acheter? La tenue de sécurité, c'est quoi ça? Les emplacements d'inventaire et 10% d'améliorer garantie. Ouais, bon. Écoutez, on va faire un petit cut aussi. Hein. Bon, écoutez, on a rien trouvé d'intéressant là-dedans, donc c'est pas grave. On va continuer comme ça. Je trouve que notre armure nous va très très bien, entre un astronaute et un éboueur en fait, final. Yeah! Il fait noir! Comme d'habitude, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter? Allez, on va aller améliorer son équipement un peu. Devenir un peu plus tout. Plutôt au niveau du RIG, s'il vous plaît, parce que niveau force, c'est quoi ça? Force R? La force, c'est pas les points de vie par hasard? Ouais. Oui, je crois que c'est les points de vie. On va souder ce point de circuit aussi, ouais. C'est parfait. On va revenir en arrière par contre. Et on va peut-être un peu augmenter un trancheur massif, non. Découper la lumière non plus. Le cutter plasma. J'aimais bien le fusil d'assaut, mais on va peut-être rester sur le... On a un peu le découpeur, on va un peu augmenter. Hein, ouais. Dommage découpeur, voilà. Sa capacité, le trancheur, c'est dommage, je ne peux plus rien faire, bah c'est dommage d'ailleurs, bah oui effectivement, avec elle le dire. Allez, on est bon pour aller bouter de la lienne, pourquoi y faire de nouveaux jours? Écoutez, je vous avoue que moi je comprends rien depuis le début du jeu, donc je me pose plus de questions. Par contre il y avait une chose qui était là-dedans, qui était dans un circuit, enfin un sarcophage, on appelle ça comme ça. Un sarcophage différent des autres. Donc à mon avis cette chose est justement en train de se balader dans le coin. Allez, on se casse, ouais, voilà, très bien. Même chose, au revoir. On va taper une petite sauvegarde et on arrêtera au prochain point de sauvegarde. Quoique je crois que j'arrive au niveau des 15 minutes. Ouais, donc on va arrêter là. Malheureusement, pas grand chose dans cet épisode, hein, peut-être 2-3 petites attaques. Ah non mais non, c'est vrai, j'avais fait un énorme cut, hein, oui, donc finalement on s'en fout. Allez, on va passer en fond de lui. Voilà. Le bel éboueur que je suis. Un conduit parfait. Beaucoup de lumière. Je sens que ma femme, ouais, il commence à faire noir. Ouais, il fait noir dans le fin fond. Ah, je le sens bien là, jumpscare, allez. Notez que souvent c'est dans les jumpscares, c'est surtout, c'est même pas forcément l'image qui arrive, hein, c'est surtout d'un coup le son qui devient hyper fort. Et là ça sent, là ça pue la merde. Ah voilà. Je me suis cassé la gueule, comme une daube. Police! Police de Californie. Ah, on se retrouve chez les adorateurs de Satan. On la porte. Police. Hello. Hello. There's somebody here. Un schéma, merci. C'est toujours cool à prendre. J'aime bien la musique. J'aime bien cette petite ambiance tamisée comme ça, parfait pour un rendez-vous romantique avec la mort, hein. Boum! Boum! Des chiens nécromorphes. Parfait. C'est des bébés, je crois. Wow, salaud.
N'est pas rien. Allez. Termine ta vie. Qu'est-ce que c'est que ça exactement? Ça a l'air d'être des bébés. Montons ce couloir. Jusque là, ça va, rien de spécial. Hein. Tout se passe bien. Et revoilà dans le temple. Oui, remarquez que j'avance toujours avec mon flingue devant, hein. C'est réflexe des jeux de... Ouh. Oh. Non, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah. Ah. Oh. Non, massacre. Recharge, Zack. Et voilà. Je peux m'appeler papa. Allez, je m'en vais te chercher, ma vieille. Oh, oh, Gollum. Ah. Oh, ça déchire. Ah ouais, on est un peu parti. Ah ouais, bah venez, messieurs, venez, venez. Bah. Allez. Découpateur, mais ici. Allez. Non, mais finalement cette arme elle est stylée. Elle est parfaite quoi. Charge. Headshot. Leg shot. Horn shot. Headshot. Headshot. Allez viens grosse babette. Tais-toi toi. Ouais. Non. Bien, c'est bien ce que je pensais. Tiens. Ah. Meurs. Où est la puputerie de ces choses, quoi? Est-ce qu'on a sécurisé la zone? Est-ce que on est bien? Désolé pour une petite secoue de stress de tout à l'heure. Hein. Ah. Voilà, quoi. On s'y attend pas, quoique d'un côté c'était vachement grand, mais je pensais pas que ça viendrait du haut comme ça en fait. Hein. Excusez-moi, c'est pour le fun. Complètement gratuit. Chut. Il n'est pas une menace. Toi non plus. Appelez-moi l'examinateur lui. Push. Non. Leg shot, head shot. À droite. Oh merde. Me tiens, cisaille. Allez, approche. Oh, oh la violence. Ah. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien, on n'a pas peur. Où ça? Où ça? Où ça? Ah voilà. On contrôle, on maîtrise la situation. Non, la maîtrise toujours pas, on la maîtrise toujours pas. Yeah. America, fuck yeah. Alors, c'est bon? On a tué tout le monde, c'est cool, je peux avancer maintenant. Ouais, parce que ma femme va bientôt arriver en fait, et telle que je la connais, elle va me faire un bon vieux bout des familles comme ça. J'en étais où? Ah oui, voilà. Alors. Chut. Tu n'es pas une menace. Ah ouais, on a énormément de balles de découpeur en fait. Faudra peut-être que je les utilise parce que. 53. Encore ma femme qui vient me dire bonjour. Encore ma femme. Allez Zach, ça va aller. Une petite dose de Prozac et... Tout ira bien.
Laisse-moi mourir. Je veux partir. Est-ce qu'il faudrait que je tue ma femme? Ou est-ce qu'il a peut-être tué dans le premier épisode? En tout cas, c'est un homme tourmenté. Complètement tourmenté. Dana, vous êtes là? Je suis en haut de l'église. Vous y êtes presque. Je vous attends près de la navette. Et c'était un piège, hein? J'y suis presque, on va bientôt pouvoir se barrer de cet enfer. Enfin, moi, il se barrait, non, ça va sûrement être que le début de nos emmerdes, hein, évidemment. Hein. Allez, aidez. Eh non! Eh non! Je m'amuse un peu, hein. Et encore une grande pièce. Et un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde, messieurs et mesdames. Donc, nous allons nous arrêter là. En tout cas, là pour aujourd'hui. Ben écoutez, c'était pas mal. Hein. Sauf que moi, j'ai passé quand même pas mal de temps à essayer de trouver ce qu'il fallait faire. C'était assez chiant. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Boys and girls, ciao.